bonjour, le Petit Auvernais dans le pays de Châteaubriand, c'est un bourg de 400 âmes à peine. Le Petit Auvernais, c'est aussi l'ACAPA, Association culturelle et artistique du Petit Auvernais, une association qui propose chaque année des dîners-spectacles. Ça fait plus de 20 ans que ça dure et l'ACAPA continue de mobiliser une grande partie de la commune. Au départ, l'association a été formée pour un concours de poésie. Oui, c'est une association culturelle. Culturelle et artistique. Donc après, il a été fait sans doute des sketchs, des chansons. Sketch, des sketchs surtout campagnards, plus on a vu que ça, dans ça le contexte. Il y a de l'homme ce soir. Ça brûle. Alors, vous allez prouver en gardant toute la longueur. Hein. Et puis, moi, j'aurais voulu un beau blond cendré, là, pour que ça ressemble à Ophélie Winter. 94, il y avait quelques poésies, mais c'était plutôt des sketchs déjà. Oui, puis des chansons. Oui. 21 ans cette année. Oui. Donc, 88. Oui. C'est en octobre, on choisit, à faire des lectures. On choisit les textes de octobre la recherche, à jusqu'à la fin de l'année. Après, on par groupe, ceux qui choisissent leur sketch, et après fin janvier, quoi. Oui. Madame, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis la 5 dans le tube pour déposer la petite graine. Et ma mère, elle était comment? Oh là 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 là, ta mère, oh là là, si tu savais. Alors tu m'aimes comme je suis, avec mes plats de côtes, mes jambonneaux et mes tripes à la mode de je ne sais quand? Mais oui, ma petite Porsche. Voilà, c'est David, c'est David, Thérèse, oui, qui s'y est mis cette année. Qui a entièrement écrit là-bas. Oui, dans le même ordre d'idées. Petite pièce campagnarde. Campagnarde, alors toujours dans la même idée que les mêmes personnages. Les mêmes personnages, mais bon, alors. Et puis il y aura une suite sans doute l'année prochaine. Les premières années, c'était simplement le concours et il y avait un repas pour les poètes, quoi. Il y a des coupures, hein. Quand on est sur scène, ils ne mangent plus. Soit ça a été desservi avant, il y a un temps de pause. Oui, il y a un temps de pause. Oui. Hein, entre les repas, parce que là, il y a du beurre blanc, alors ils stoppent, ils mangent leur beurre blanc tranquille. On pourra après, ils font des sketchs, des chansons, on redémarre, et voilà, ça s'arrête. On a à peu près une heure et demie de spectacle. Une bonne heure et demie. Et après 4 représentations au mois de mars, les vamps et les comédiens amateurs de l'ACAPA vous donnent déjà rendez-vous en mars 2010.